Alors, comme vous le savez, nous sommes en train de parcourir le livre de l'Apocalypse, et donc c'est le message numéro 3. Et comme vous le savez, c'était toute ma vie que j'attendais ce jour, parce que j'aime beaucoup faire et étudier des livres que je connais assez mal, ce qui est le cas pour l'Apocalypse, mais c'est vraiment fascinant. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui n'étaient pas là pour les premiers deux messages, le livre de l'Apocalypse est une vision de la fin des temps, que l'apôtre Jean a reçu dans l'année 95 après Jésus-Christ, lorsqu'il était prisonnier sur l'île de Patmos, en Grèce, à cause de sa foi. Et le livre, on l'a vu, est découpé de manière très simple, en trois parties, dans le chapitre 1, verset 19, « Ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. » Ce que tu as vu, c'est le chapitre 1, ça on l'a déjà étudié la première fois. Donc c'était cette vision fabuleuse de Jésus-Christ qui a été révélée vraiment très rapidement dans le chapitre 1. Il va le développer ensuite tout au long d'Apocalypse. Ensuite, on a commencé la dernière fois notre étude sur la deuxième grande section du livre qui se trouve au chapitre 2 et 3, ce qui est, ce qui est. Et dans cette section, on a vu que Jésus s'adresse à sept églises qui se trouvent en Asie, donc la Turquie d'aujourd'hui, et il leur écrit pour les évaluer. Alors là, il faut s'arrêter et se dire, waouh, imaginez que Jésus vienne et dise, j'aimerais évaluer le EIG. D'accord ? C'est un petit peu ce qui se passe ici. Okay ? Donc, Jésus va évaluer ces sept églises et il veut voir où ils en sont avec leur santé spirituelle. Alors, je crois qu'il y a la carte, le plan de l'Asie mineure avec les sept églises, peut-être, si on peut voir. Voilà. Donc, vous voyez l'emplacement de ces sept églises et on va... Je vais vite réviser les quatre premières qu'on a vues la dernière fois. Alors, premièrement, la première église, au fait, c'est le titre de ce message, c'est « Sept leçons de sept églises », deuxième partie, d'accord ? Alors, dans le chapitre 2, versets 1 à 7, on a vu, premièrement, l'église d'Éphèse, qui avait, selon le verset 4, abandonné son premier amour. Alors, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le numéro 1 reproche. Abandonner son premier amour. Eh bien, on avait vu que tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils avaient... décider de ne plus mettre Jésus à la première place dans leur vie. Plein d'autres choses avaient pris le dessus. Jésus n'était plus la priorité. Et donc, Jésus leur demande de se repentir. Et la leçon, et là on voit la leçon, ne laisse pas ton premier amour se refroidir. Ne laisse pas ton premier amour se refroidir. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 8 à 11. Et Jésus les félicite pour la manière qu'ils avaient subi la persécution. Et au verset 10, il leur dit quelque chose d'incroyable. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et là, on s'est un petit peu arrêté. On s'est dit, mais c'est quand même dingue. Il est en train de leur dire, vous allez souffrir. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Oui, tu vas souffrir. Oui, ce sera dur. Mais ne crains pas. Voilà la perspective de Dieu sur la souffrance. Deuxième leçon, ne sois pas découragé par la persécution. Ça fait partie de notre appel en tant que chrétien. Troisième église, Pergame. L'église mondaine, chapitre 2, verset 8 à 11, Jésus félicite l'église au verset 13, puis leur fait deux réprimandes. Deux, c'est pas marrant. Il laissait faire les gens dans leur église. Enfin, il y avait des gens qui faisaient ce qu'on appelle la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. C'était deux mouvements, idolâtres et de libertinage sexuel. Bref, c'était le laisser-faire dans l'Église. Leçon numéro 3, ne laisse pas le monde entrer dans l'Église. Ne laisse pas le monde entrer dans l'Église. L'Église, c'est une Église, ce n'est pas le monde. C'est autre chose. 4, l'Église de Thyatire, ce qu'on appelait l'église progressiste, verset 8 à 11. Jésus les félicite au verset 19, puis leur fait une réprimande concernant une femme dans l'église nommée Jézabel. Probablement un nom fictif, c'est ce qu'on a vu. Elle se prenait pour une prophétesse et promouvait la débauche sexuelle. Jésus, c'est intéressant, il condamne l'église pour le fait que l'église laisse faire, il ne réagisse pas. Exclure une personne qui refuse de se repentir de son péché est non seulement bibliquement juste, mais une chose encouragée et bénie par Jésus lui-même. Et donc, la leçon numéro 4, c'est celle-ci. Ose confronter le péché.
ose confronter le péché. Donc ça, c'est un résumé très rapide hein, des premiers quatre églises. Conclusion, ben, on voit le résumé ici. Parce que ça, de tousser, ça aide beaucoup quand je mets la main comme ça. Voilà. Le micro est là. Alors, on passe à la cinquième église. Et on va essayer de les finir aujourd'hui, si on y arrive. On est au chapitre 3, versets 1 à 6. Alors, écoutez, cette église, elle est franchement surprenante. Parce qu'une description se trouve au verset 1, qui franchement nous étonne. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu es mort. Moi je vois des trucs comme ça, moi je suis assez noir et blanc, tac tac. Moi je vois un truc comme ça et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire être mort? Une église morte. Elle existait, il y avait du monde. Les gens y allaient. Elle était morte. Alors essayons de comprendre. La ville au verset 1. Sardes était située à 45 km environ au sud-est de Thyatire. La ville était tantôt sur le haut d'un mont qui s'appelle le Ptomelus et aussi au pied de cette montagne vers une rivière qui s'appelait la rivière Hermus. Comme la plupart des autres villes de la région, elle était dévouée d'un côté à César, donc l'empereur, donc un culte dévoué à l'empereur, un culte dévoué à Artémis, la déesse de la fertilité, et un culte à Cybèle, la déesse de la nature. Mais puisque l'Église était considérée morte, elle devait avoir eu probablement un début vivant, puisqu'aujourd'hui elle est considérée morte. Mais à un moment donné, elle a donc complètement capitulé, s'est mélangée avec la culture dans laquelle elle se trouve. Alors, je vous avais dit, j'avais eu le privilège il y a des années en arrière d'aller visiter ces églises. Alors, il y a quelques photos là. Voilà, donc ça c'est Welcome to Sardes. Donc en fait, on peut y aller. Moi, j'aime bien le truc historique, d'accord? Prochaine photo. Alors bien sûr, c'est toujours des ruines, d'accord? Il y a eu beaucoup de tremblements de terre. Ici comme celui qui a les sept esprits de Dieu. Alors on avait déjà vu une référence probablement à la plénitude du Saint-Esprit. Et il tient aussi les sept étoiles qui, selon chapitre 1, verset 20, sont probablement les pasteurs de ces églises. Alors c'est toujours encourageant que Dieu, Jésus, tient dans sa main les pasteurs des églises. D'accord ? Même quand ça va mal. Ah là, ça va mal dans cette église. Alors le reproche au verset 1, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Ça veut dire quoi ? Je sais que tu passe pour être vivant, mais tu es mort. Ah. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu es champion pour te faire passer pour être vivant. D'apparence, pour les contemporains, pour les gens qui te regardent, tu avais l'air top. En fait, c'est pas différent que dans Matthieu 23, vous vous rappelez ? C'est exactement ce que Jésus dit aux pharisiens. Par exemple, au verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, donc d'or, waouh, un beau sépulcre, qui paraissent beaux au dehors et au-dedans sont pleins d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Alors, il est en train de dire pareil ici. Sardes, de l'extérieur, waouh, ton église, mais tu grattes un peu, c'est pourri à l'intérieur, c'est mort, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu donnes des bonnes impressions, tes œuvres ne complètent pas ta personne comme elles le devraient, au verset 1. Vous savez, je vais faire une petite confession de ce que les pasteurs font quand ils vont à des pastorales. Je vais à deux pastorales, moi, d'accord ? Alors on commence à discuter, « Ouais, salut, comment ça va ?» Tôt ou tard dans la discussion, il y a toujours cette question qui arrive, et j'en suis aussi coupable que les autres. Et d'y voir, « Vous êtes combien au culte ?» Cette
question et surtout la réponse à cette question vient te donner la mesure du succès ou de l'échec. Alors, où est le chiffre fatidique? Alors, ça dépend bien sûr où tu es. À Genève, si tu es moins de 50, ah bon? Tu existes? Si tu es 100 ou un peu plus, ça commence à devenir intéressant. 150, waouh! 200, alors là, c'est la méga église, d'accord? Et c'est marrant, mais on se juge par rapport à la taille de nos églises. Et ça m'a fait penser à ça, parce qu'ici, elle est de quelle taille cette église? Personne ne sait. Jésus, il a un regard complètement différent. Bon, c'est pas la taille. Mais il faut dire ce qui est. Les grandes églises, ben, ont plus la cote. Mais Jésus dit, non. C'est ce qu'il y a dedans qui compte. C'est pas au regard des hommes et de l'extérieur qui compte. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire alors pour être mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je trouve intéressant, c'est que malgré le fait que l'église soit morte, Jésus est intéressé à cette église. Il est là, il tient le pasteur. Il ne l'a pas abandonné ici. Alors, peut-être on comprend ce que ça veut dire en regardant la solution au verset 2. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ben, il leur donne 5 choses à faire pour sortir de cet état de mort. Donc ils sont morts, mais ils peuvent encore réagir. Donc ils sont morts, mais pas morts. Ils sont juste morts. Hein? Ouais, d'accord. Alors verset 2, sois vigilant. Ils devaient être vigilants. Ça veut dire quoi? Littéralement, réveille-toi de ton sommeil. Prends conscience du problème. Ne reste pas dans cet état de stupeur sans vie. Bouge-toi. Première chose. Deuxième chose, ils devaient affermir leurs œuvres au verset 2. Et affirmer le reste qui est prêt de mourir. Le reste est un nom neutre dans le grec qui veut dire qu'il ne s'agit pas de personnes mais de choses. Probablement les œuvres mentionnées au verset 1. Tes œuvres sont mortes, du moins presque, affermis-les. Mais je pense que la clé de ce qu'est une église morte est dans la suite. Troisième solution, regardez ce qu'il dit. Sois vigilant, affermis, et je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. C'est ce qu'il est en train de dire. Reviens à ton zèle pour la parole que tu avais au début. Et quatrième chose qu'il leur dit au verset 3, et garde-la. Non seulement reviens à l'amour pour la parole, mais ensuite décide de la garder. Décide de l'obéir. Finalement, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Mets ton nez dans la parole de Dieu et dis-toi, écoute, voilà, alors je vais l'obéir. C'est vrai ce qu'il faut faire. Ah, peut-être une dernière chose. Et repens-toi, verset 3. Repens-toi. Reconnais que ceci est un péché. Reviens. Change de direction. C'est intéressant ce qu'il est en train de dire ici. J'ai l'impression qu'il est en train de dire que la clé dans tout ça, c'est quoi? C'est la parole. Écoutez, voici ce qu'il est en train de dire. Une église qui commence à s'écarter de la parole de Dieu va vers sa mort. Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est aussi simple que ça. Alors, de dire, oui, mais alors, comment est-ce qu'on sait si une église s'écarte? Ben, tu demandes aux gens à l'intérieur et tu leur poses cette question. Attention, ça va faire mal. Ça va faire mal, d'accord? Est-ce que tu as ton culte personnel régulièrement? Personnellement. Est-ce que toi, personnellement, la parole de Dieu, c'est ton truc? Et est-ce que ça se voit dans ta vie? Ou est-ce que tu n'as tout simplement pas le temps pour la parole de Dieu? Oui, mais pour l'Église, ça devrait être la parole, mais pour moi, ah, non, ce n'est pas cohérent. Oui, ça commence avec nous. Ça commence avec nous, avec moi. Est-ce que ta régularité au culte a changé au fur et à mesure des années? Parce que je pense qu'avec les années, ben on devient là, on devient habitué. Ouais, je sais faire, la Bible, je l'ai lu tellement de fois, je connais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lire tous ces trucs de nouveau? Oui. Oui? Oui. Est-ce qu'il y a plus d'excuses que de passion pour la parole de Dieu? Je pense que c'est ça la question qu'on a tous à poser, de manière régulière. On sait que tous, il y a des moments on laisse passer les choses, ça peut arriver. Mais globalement, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Alors il les menace. Si tu ne veilles pas, verset 3, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre.
Il dit, quelque part, fais gaffe, j'arrive. Mais il y a une lueur d'espérance au verset 4, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils s'en sont dignes. Apparemment, il y avait quelques personnes dans l'église qui avaient décidé de ne pas suivre la majorité. Ils avaient osé aller à contresens. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est une manière de dire qu'ils n'ont pas péché comme les autres avaient fait. Et leur sort, ben, il leur dit, ils marcheront avec Jésus en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est beau, non? Alors là, il y a un truc intéressant au verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de la vie et je confesserai son nom devant mon Père qui est devant ses anges. Et alors ça, c'est un truc intéressant. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'effacera point leur nom du livre de la vie? Alors le fait qu'il y a des noms qui sont effacés de ce fameux livre de la vie fait penser à certains qu'on peut perdre son salut. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ce livre est mentionné 6 fois dans l'Apocalypse avec des noms un peu différents, dont 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27. Il est probable que ce livre contienne tous les noms de toutes les personnes qui n'ont jamais vécu sur Terre. Donc chaque fois qu'il y a une naissance, tac, le nom rentre dans le livre de la vie. Livre de vie. Ceux qui sont vivants en Christ, nous mourrons jamais, selon Jean 11, 25 à 26. Et donc ils demeurent dans le livre de vie pour l'éternité. Leurs noms ne seront jamais effacés du livre. Mais pour ceux qui sont hors de Christ, ceux qui meurent dans leur péché selon Jean 21, ils mourront sans Christ et donc auront une ruine éternelle, une séparation de Christ éternelle. 2 Thessaloniciens 1:9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. De ce fait, à l'instant de leur mort, leur nom sera effacé du livre de vie. C'est un peu de la même manière que le nom d'un citoyen est effacé des registres au moment de sa mort. Eh bien, ainsi en est-il du ciel. Alors, le rappel au verset 6, il est clair que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce qu'il dit ? Écoutez et agissez. Écoutez et agissez. Alors, c'était quoi le résultat de ce message à l'église de Sardes? Eh bien, l'église a apparemment réagi car il y a un certain homme qui s'appelle Mélito, j'ai été vérifié sur Wikipédia, parce que là, c'est là où on vérifie tous les faits, d'accord? Non, je blague un petit peu, mais sur beaucoup de trucs, c'est très très bien. Mais il y a un certain Mélito qui est devenu évêque de Sardes, qui lui est décédé 180 après Jésus-Christ. Donc apparemment, elle a au moins duré jusqu'à 180 après Jésus-Christ. Elle aurait réagi. Mais vous pouvez quand même lire sa biographie, Mélito, de Sardes sur Wikipédia. Alors, quelle est la leçon qu'on tire de cette église? Moi, je la résume comme ceci. Ne délaisse pas la parole de Dieu. Ne délaisse pas la parole de Dieu. Moi, je vais dire un truc. Moi, je crois qu'il y a un truc pour les cultes personnels. C'est un peu comme quand on mange. Des fois, on vous invite à un mariage, un buffet. Puis on se prépare, on y va, puis c'est super génial. Mais des fois, vous êtes au travail, et juste pour pouvoir continuer, il vous faut un sandwich. Mais vous allez quand même l'acheter, ce sandwich. Parce que vous savez que vous avez besoin d'énergie, qu'il faut de la régularité dans vos repas, sinon vous allez vous effondrer au travail. Parce que c'est comme ça avec le christianisme. Parfois, on a des festins. Parfois, vous écoutez un message, un truc, c'est super, vous dites « Ah, génial, j'ai l'émotion et tout. » Parfois, niette, pas d'émotion, vous êtes malade, tout va mal. Les épreuves de la vie, vous dites « Ah, la Bible, j'en ai marre. » Non, c'est à ce moment-là que vous devez vous dire « Non, j'ai besoin du repas. » Donc, que j'ai besoin ou pas, du moins que je ressente le besoin ou pas, je rentre dans une régularité. Parce que si je ne le fais pas, peu à peu on s'habitue. Et il y a Satan derrière, et il va tout faire pour nous dire « Ouais, la parole, ouais, il faut... » Non, mes amis, ne rentrez pas dans ce piège. C'est ce que l'Église a fait, elle est rentrée dans ce piège. Soyons réguliers à titre individu avec la parole de Dieu
et voyons ce que Dieu fera collectivement avec nous si on continue comme ça. Sixième église, Philadelphie. L'église fidèle, chapitre 3, versets 7 à 13. Alors, ce qui est beau avec cette église-là, Jésus n'a que des éloges pour cette église. Quel contraste. D'accord, il casse Sardes, et là, il bénit Philadelphie. D'accord. Alors, de nouveau, hein, quand j'entends ça, je me dis, qu'est-ce qui invite les éloges de Jésus sur une église? On aimerait tous voir Jésus rentrer dans cette porte et dire, waouh, trop bien l'EIG, top niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce sorte d'éloge? Alors, juste un mot sur la ville. La ville, Philadelphie, se situe en 35 km au sud-est de Sardes. La région était connue pour ses produits agricoles, donc c'était plutôt une église à la campagne, si on veut. Son nom lui fut donné par le roi de Pergame, Attalus Philadelphus, qui donna à cette ville son nom de famille. Le mot Philadelphie veut dire amour fraternel. Alors, je crois que j'ai deux photos. Tout ce qui reste, c'est un ou deux piliers. Voilà. C'est les gros piliers d'une grosse église. Alors, au tout début, ce n'était pas une grosse église comme ça. C'est dans les siècles plus tard qu'ils ont rajouté des gros piliers. Mais voilà ce qui reste aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, verset 7, c'est intéressant. L'église écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Alors, l'ange, on l'avait déjà vu, c'est les pasteurs. Ça ne veut pas dire que tous les pasteurs sont des anges, on est d'accord, d'accord. Mais c'est comme ça qu'ils sont, à quoi on les réfère ici. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Jésus se décrit lui-même. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc Jésus se décrit lui-même comme étant Saint, le véritable, celui qui est la clé de David. L'arrière-plan d'Ésaïe 22, 15 à 23, et surtout le verset 22, parle d'une situation d'autorité. Jésus a l'autorité. De toute façon, il a dit ça dans Matthieu 28, 18, qu'il a toute autorité, toute autorité. Et il ouvre et il ferme. Seul lui peut ouvrir et fermer les portes de la vie, en fait. Donc il se présente comme totalement autoritaire, ou une autorité totale, en tant que fils de Dieu, Dieu incarné. Alors l'éloge au verset 8, « Je connais tes œuvres ». Donc ça, c'est bien sûr positif. Et il est en train de dire « Je connais tes œuvres » parce qu'elles sont top niveau et ce sont des œuvres authentiques, liées à une foi authentique. Alors c'est intéressant. Et ensuite il dit « Tu as peu de puissance ». Alors, à premier on a l'impression que c'est négatif, mais puisque tout est positif, il faut une lecture positive, du moins c'est ce que tous les interprètes disent. Et ce qui est probablement en train de dire ici, et c'est peut-être là une référence à la petitesse de l'église. Une église de campagne, peut-être petite, avec pas beaucoup de gens importants, vous savez, c'est comme dans Corinthiens 3. Il dit, tu as peu de puissance, mais, ou malgré cela, tu as gardé ma parole. C'est incroyable comme ça revient constamment, ça. Tu as gardé ma parole, verset 8, et que tu n'as pas renié mon nom. Écoutez, ça revient toujours à ça. Moi, je trouve ça génial. Tu as été fidèle à ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Malgré les épreuves, tu es demeuré ferme. Et donc j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Probablement parlant de leur salut qui était sécurisé. Alors verset 9, c'est intéressant. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir te prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Alors, ils étaient persécutés par des juifs incrédules. Alors, il y avait un homme connu qui s'appelait Ignace. Il a même d'habitude, il a débattu avec ces personnes lorsque lui a visité Philadelphie ultérieurement. Et puisque ces juifs rejetaient Jésus le Messie, ils n'étaient pas des croyants authentiques, mais, et c'est ce que Jésus dit ici, de la synagogue de Satan. Vous dites, waouh, c'est un peu fort, non? Ben, Jean 8, 44, Jésus leur dit, tête à tête, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, il est menteur et le père du mensonge. Donc c'est intéressant qu'il dit des pharisiens, ils avaient
une religion, mais ils ne connaissaient pas le Père, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et donc il dit, mais vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes de Satan. Votre Père, c'est Satan. Alors ces Juifs qui ne connaissaient pas Christ, au verset 9, sont de la synagogue de Satan. Ça montre aussi que Satan, il est très organisé, vous savez. Alors ça ne veut pas dire qu'il y avait une synagogue en ville qui disait synagogue de Satan, on n'est pas en train de dire ça. Mais ce groupe de personnes était perçu comme un groupe de Satan par Jésus lui-même. Je suis en train de mettre de l'eau partout là, excusez-moi. Alors, je dois quand même faire un petit... dire quelques mots sur le verset 10. D'accord ? Parce que le verset 10, il est vraiment important. Et vous ne le auriez peut-être pas su, mais il est très important lorsqu'on parle de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la fin des temps. D'accord ? C'est le terme qu'on utilise. Alors il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors vous lisez les versets, dites, ouais, bon, c'est intéressant, mais il faut s'arrêter pour y réfléchir un petit peu. Parce qu'en fait, ce verset, la question se pose, ce verset décrit-il ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église lors de la période des 7 ans appelée la Grande Tribulation? Alors on y reviendra sur tout ça, d'accord? Mais regardez ce qui est intéressant. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, juste quelques généralités. La Bible décrit une période future à nous encore que nous appelons la période de la grande tribulation. Jésus a décrit cette période comme étant la grande détresse dans Matthieu 24-21. Une détresse qui sera, c'est Jésus qui dit, hein, qui sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alors Jésus dit qu'il y aura un temps qui va arriver, qui sera tellement horrible qu'il n'y aura jamais eu un temps aussi horrible avant ni après. Ça c'est dans Matthieu 24. Cette période est décrite dans d'autres noms, dans d'autres livres, comme étant le jour du Seigneur ou le jour de la destruction, l'époque de détresse ou les temps des troupes de Jacob, par exemple dans Jérémie 37. Selon Daniel 9, et on y reviendra aussi plus tard, la grande tribulation durera vraisemblablement 7 ans, une période qui est décrite en détail dans le livre de l'Apocalypse et que nous allons parcourir, nous allons regarder tout ça au fur et à mesure des semaines, d'accord ? Mais alors, ce verset, de quoi parle-t-il ? Beaucoup de chrétiens, dont moi, alors je vous donne mon opinion, attention, c'est très important, c'est une opinion, vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'accord ? Mais certains chrétiens, enfin beaucoup de chrétiens comme moi, pensons que dans l'avenir, nous ne savons pas quand, soudainement, tous les chrétiens seront enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur dans les airs pour toujours. 1 Thessaloniciens 4:17. Nous dit ceci, ensuite nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là où les chrétiens ne sont pas toujours d'accord est sur le moment précis de cet événement, de cet enlèvement. Il y a globalement 3 avis. Les chrétiens seront enlevés ou bien avant les 7 ans, au milieu des 7 ans, ou à la fin des 7 ans. D'accord ? Donc, maintenant vous comprenez, il y a les pré-tribulationnistes, parce que ça s'appelle la grande tribulation. Les pré-tribulationnistes disent qu'on va être enlevé avant la tribulation. Les mi-tribulationnistes disent qu'on va être enlevé au milieu de la tribulation. Et les post-tribulationnistes disent qu'on va être enlevé à la fin des 7 ans. Bienvenue à l'eschatologie. Alors, quelles sont les implications de chacune de ces positions ? Eh bien, si la réponse juste est prêt, ça veut dire qu'on est enlevé avant la tribulation, ça veut dire qu'on ne va pas devoir traverser la grande tribulation à un degré, c'est-à-dire que c'est bien. Si je suis enlevé avant la tribulation, c'est top. Super. D'accord ? Mais non,
Si c'est mi ou pos qui gagne, cela veut dire qu'on va devoir traverser la tribulation en tant que chrétien, si on est encore vivant, bien sûr, quand ça commence, à un degré ou à un autre. Donc ça, c'est moins bien. Parce que personnellement, je n'ai pas trop envie de traverser la tribulation. D'accord ? Alors la clé, c'est quoi dans tout ça ? Alors, que nous traversions ou non la grande tribulation, la vraie question est celle-ci. Es-tu certain de connaître Christ comme ton sauveur pour être assuré la félicité éternelle à son côté, quel que soit le moment précis de notre enlèvement et de son retour ? C'est ça la clé, mes amis. Si tu connais Jésus, tu seras enlevé par lui, que ce soit pré, mi ou poste. Finalement, ce n'est pas vraiment grave. Si tu connais Christ, c'est un petit peu l'attitude. Écoute, je connais Christ, on verra bien. Ma préférence, c'est avant. Je vais essayer de voir si la Bible en parle. D'autres diront, non, ce sera plutôt poste. Ok, peut-être tu as raison, mais est-ce que je connais Christ ? Si tu connais Christ, il te donnera tout ce qu'il faut pour traverser, et si les prêts ont raison, on part tous. Donc il faut être prêt. Alors je vous dis ceci, car l'eschatologie suscite les passions. Nous voulons tous avoir raison, mais je comprends ça. Mais l'important, et surtout je le dis maintenant parce qu'on va traverser ce livre, mais c'est très important quand même de le lire, nous pouvons avoir des avis différents sur ces points secondaires. On peut essayer de gratter le texte, essayer de comprendre, pas de problème. Restons courtois dans nos différences, c'est ça la clé. Restons courtois, d'accord ? Moi je vais te dire, si vraiment on n'est pas d'accord, je vais te dire, écoute, est-ce que tu connais Christ ? Sûr et certain, oui. Ok, ben on verra bien. Alors on peut en parler, on peut débattre tout ce que tu veux, mais la clé c'est est-ce que tu connais Christ ? Ça c'est vraiment important. Alors maintenant regardez le verset 10. Quelques points importants. Cette heure de tentation, quelle qu'en soit la nature de cette heure de tentation, elle était encore future à eux. 2. L'heure de la tentation est aussi une période limitée dans le temps, car Jésus ici parle de l'heure de la tentation. Alors cette expression parle du fait qu'une heure, et c'est une limite de temps précis, une heure de tentation, ce n'est pas pour toujours, c'est un moment, avec un début et une fin. Et ça va dans le sens d'une période de tribulation qui durait 7 ans. Ça colle. Mais notez ce qui est vraiment important au verset 10, c'est que cette heure de tentation est mondiale. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est comme si Jean, ou Jésus ici, est en train de souligner l'importance du fait que ça va être le monde entier qui va passer par cette heure de tentation. Qui veut dire, et ça c'est intéressant, tous les commentateurs sont d'accord de dire que cette heure, nous ne l'avons jamais encore vue dans l'histoire du monde. Ce que Jésus a décrit dans Matthieu 24, c'est cette période atroce, planétaire, qui n'a jamais eu et qui n'aura jamais été aussi mauvaise, encore lieu. Tout le monde est d'accord de dire, cette période-là, on ne l'a pas encore vue. La Deuxième Guerre mondiale, c'était horrible, mais ce n'était pas planétaire. Et quand il dit du monde entier, ça veut dire des îles paumées, je ne sais pas, quelque part dans le nord, des Esquimaux quelque part, jusqu'à à Tierra del Fuego, et tout ce qui entre. Le monde entier. Ça, on ne l'a jamais vu encore. Et en plus, on apprend que le but de l'heure de tentation est d'éprouver tous les habitants de la terre. Combien d'habitants ? Tous les habitants de la terre. Et quand on verra les épreuves et les malédictions que Dieu envoie dans les chapitres 5 et au-delà, mais c'est des trucs complètement dingues et planétaires. Et quand l'Antichrist, dans Apocalypse 13, commence à mettre le fameux 666 sur les mains droites et sur les fronts des gens, mais c'est dans le monde entier, c'est planétaire. Non mais ce qu'on va voir, mes amis, ça donne des frissons dans le dos. Parce que c'est vraiment planétaire. Et le mot « tous les habitants de la terre » est utilisé dans le livre de l'Apocalypse pour décrire les non-croyants. 6, 10, 8, 13, 11, 10, 13, 8, 12, 14, 14, 4, 17, etc. Donc, c'est un temps où les non-croyants vont être jugés. Alors, ce qui veut dire que les croyants pourraient être absents, du moins au début. Pourquoi ? Parce que les croyants vont se convertir pendant ce moment de la grande tribulation. Donc si l'enlèvement est avant, tous les chrétiens disparaissent,
Mais ensuite, beaucoup de gens vont se convertir juste après, et eux vont subir de plein fouet les malheurs de la grande tribulation, ça c'est sûr. Et certains se repentiront, certains pas. Et ça, on le verra aussi. Il y a encore un petit mot-clé en grec, terek, tereoek. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. En grec, cette petite phrase, tereoek, eh bien, les post-tribulationnistes disent que ceci veut dire que les chrétiens seront préservés pendant leur passage au travers de la grande tribulation. Alors, grammaticalement, ceci pose souci, car ek veut dire sortir quelque chose de. Une autre préposition était mieux dia, par exemple, qui veut dire au travers de. Mais cette optique pose aussi un autre point problématique. Les chrétiens qui se convertiront lors de la grande tribulation ne seront pas préservés de souffrir lors de la grande tribulation. Non, ils vont souffrir horriblement. Ceux qui refusent la marque de la bête dans Apocalypse 13 souffriront énormément, mourront de faim. Et la réponse comme quoi ces versets veulent dire que les chrétiens seront épargnés de souffrances venues du Seigneur, mais pas des hommes, me paraît faible. Bref, ma conclusion rapide après cette petite étude, c'est que la période de la grande tribulation, qui sera mondiale, est encore future à nous. Elle était future à eux, mais elle est encore future à nous simplement parce qu'on n'a pas encore vu ce problème planétaire. Et si nous sommes vivants lorsqu'elle commence, ça on ne sait pas. Je pense, mais je peux me tromper, d'accord ? Je vais être humble ici. Je suis prêt dans tous les cas, d'accord ? Mais je pense que tous les chrétiens seront instantanément enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur. Avant, juste avant. Alors commencera cette année d'enfer terrible sur la terre menée par l'Antichrist. Beaucoup de personnes se convertiront lors de cette période, mais souffriront horriblement pour leur foi. Et à la fin des 7 ans, Jésus reviendra avec nous à ses côtés pour la dernière grande bataille appelée Armageddon, décrite dans Apocalypse. Mais là, on va 10 fois trop vite. Il faut en revenir dans, je ne sais pas, 15, 17 messages, peut-être, je ne sais pas quand, pour voir ce que la Bible dit sur Armageddon. Mais elle dit un tas de trucs dessus, c'est incroyable. Alors voilà l'encouragement qu'il donne à cette église de Philadelphie. Toi, tu seras épargné. Et apparemment, les églises comme elle. Parce qu'elle a un symbole pour les églises qui sont fidèles à la parole, fidèles sur la persécution comme elle. Alors, c'est quoi la leçon ? Ben, elle est toute simple. Reste fidèle à la parole. Reste fidèle à la parole. Je termine, on y arrivera. Pour midi, il n'y a pas de problème, puis ensuite il y aura la Sainte-Seine, donc on est en plein dans les temps. 7e église, Laodicée. Laodicée. Alors Laodicée, on l'a déjà étudié, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait appelé ça il y a pas mal de, peut-être 1 ou 2 ans en arrière, l'église inutile. Excusez-moi. Ici, je l'ai renommé l'église tiède. Chapitre 3, versets 14 à 22, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Elle tient la marque de distinction d'être la seule église des 7 sur Jésus, ne dit absolument rien de bien. Rien de bien. Alors Laodicée, comme la ville, était située proche de Colosse et Hierapolis. Je crois qu'il y a quelques photos. J'y suis allé aussi. Ah ouais, donc ça c'est l'écriteau qui dit qu'on peut aller à Laodicée. Ça c'est en train. Ça c'est ma mère en fait qui est décédée aujourd'hui, mais on montait aller voir parce que rien n'a été excavé encore là-bas. Ça c'est moi dans l'amphithéâtre, mais qui n'a jamais été excavé. Donc ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Je suis posé par terre. Alors, ce qui est intéressant avec Laodicée, c'est qu'elle est située sur un des carrefours les plus importants de l'Asie mineure. Et donc, et ça c'est important, c'était une des villes les plus riches de la région. Elle était connue pour 3 choses, cette ville. Numéro 1, ses banques. Ah, c'est un petit peu la Genève d'autrefois, d'accord ? Ses multiples banques. Deuxièmement, la manufacture de vêtements luxueux à partir de la laine noire du territoire. Et troisièmement, une école médicale réputée avec un célèbre médicament pour les yeux. Putain, j'en avais besoin cette semaine, mais bon, bref. Un des immenses défis pour cette église, et je crois que c'est le défi que beaucoup d'églises à Genève ont, c'est comment vivre pour Christ dans un environnement si affluent, si riche. Comment vivre notre foi
lorsque la richesse autour de nous, mais elle est partout, quoi. Et pas qu'autour de nous. Nous sommes riches. Il ne faut pas aller loin pour réaliser la richesse que nous avons tous. C'est incroyable. Malheureusement, Laodicée a complètement échoué. Elle reçoit la plus grande condamnation des sept églises. Elle est devenue le reflet de la ville, riche et là, pensant qu'elle pouvait opérer indépendamment de Dieu en utilisant ses propres ressources. Et donc il fait une réprimande sévère à cette église, avec quand même un petit mot d'espoir à la fin. Alors il s'adresse au pasteur, verset 14. L'ange de l'église le reproche. Il y a deux reproches. Premièrement, leur tiédeur, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah, imaginez que Jésus vienne vous dire ça. Est-ce que vous avez déjà bu un coca tiède? Écoutez, il n'y a rien de pire. Bon, peut-être un coca chaud, c'est encore pire, j'en sais rien, d'accord? Mais un vrai coca, bon, je parle en tant qu'Américain. Vous devez avoir un grand verre comme ça grand, avec 1000 glaçons dedans, d'accord? 1000. Et ensuite, vous mettez le coca pour qu'il soit glacial. Oh. Mais vous donnez à quelqu'un un coca tiède, garanti, il crache toute sa bouche. C'est exactement ce qui s'est passé ici. C'était le cas avec l'église de Laodicée. La ville d'Hierapolis, juste à côté, était connue pour ses sources d'eau médicinale bouillante et Colosse pour ses sources froides. Donc deux villes juste à côté, une avec des sources bouillantes, une avec des sources glaciales, elle au milieu tiède. Ah. L'eau tiède, ça sert à quoi? Rien. Alors de quoi exactement est-ce qu'ils étaient tièdes? Verset 15, je connais tes œuvres. Tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisse être froid et bouillant. Erga, œuvre. Les actions qu'on voit émerger du chrétien. Est-ce que ta foi fait émerger des œuvres chrétiennes? Alors, tu as des dons spirituels, mais aussi des œuvres chrétiennes. Son activité. Ben non, elle avait une pauvreté d'œuvres. Elle n'apportait aucune aide, aucun rafraîchissement spirituel à qui ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tournés sur eux-mêmes. Ah ouais, tout est pour moi. Ville riche, je fais pour moi. Je me sers moi-même, quelque part. Et deuxième problème, l'autosuffisance, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Hein, regardez ce qu'il dit au début. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voilà l'attitude. En fait, ce qu'il dit d'eux, c'est leur attitude à eux, hein, ça. Mais Jésus dit, un, tu es malheureux, deux, tu es misérable, trois, tu es pauvre spirituellement, quatre, tu es aveugle. Alors bien sûr, il fait référence à ces poutres hein, médicinales et tout ça, il fait des jeux de société quelque part, enfin, pas des jeux de société, mais des rapports. Hein, vous vous vantez d'avoir le médicament pour les yeux, mais vous êtes aveugle spirituellement, nu. Vous vous vantez d'avoir des beaux habits. Finalement, vous êtes nu à mon regard, spirituellement. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors moi, je me suis posé la question, alors est-ce que ce bilan veut dire que Jésus pensait que c'était une église de chrétiens ou de non-chrétiens? Alors Dick Mayhew, dans son livre, très bon d'ailleurs, qu'est-ce que Jésus dirait de ton église? Lui pense que ce sont des chrétiens charnels. Des chrétiens qui ne marchent pas bien avec le Seigneur. Il donne quatre raisons. Premièrement, Christ est au milieu d'elles, comme pour les autres églises. Deux, les églises obéissantes et désobéissantes, dont Apocalypse 2 à 3, sont toutes appelées des églises. Trois, le mot misérable au verset 17 est utilisé par Paul lui-même dans Romains 7, 24. Il se dit lui-même être misérable. Et quatre, le mot aveugle est utilisé pour décrire des chrétiens dans 2 Pierre 1, 9. Alors, s'il a raison,
Ceci révèle qu'un chrétien peut parfois ressembler à un non-chrétien. Un chrétien peut ressembler à un non-chrétien. Et il y a un exemple suprême dans la Bible, c'est l'église de Corinthe. Parce qu'il leur dit dans 1 Corinthiens 5, écoutez, il y a une situation de débauche sexuelle dans votre église qui n'existe même pas dans le monde. Donc il fait une comparaison. Hein. Beaucoup de gens disent, oui, il ne faut jamais comparer l'église avec le monde. C'est faux. Paul, il compare l'église avec le monde, il dit, mais écoutez, Corinthe, votre église est pire que le monde. Voilà ce qu'il leur dit. Il leur est en train de leur dire, vous êtes des chrétiens, mais alors franchement, je vous regarde. Mais moi, je vois des païens, là. Mais vous êtes chrétiens. Il est béni au début, il les appelle frères dans 1 Corinthiens, mais il a dit, mais vous vivez vraiment pas comme vous devriez, là. Donc, il les réprimande, tiédeur et autosuffisance. Vous dites, ouais, mais est-ce que c'est vraiment grave? Ben, moi, je vous pose cette question. S'il veut vous vomir de sa bouche, vous pensez que c'est grave? Moi, ce que j'aime, au moins, c'est clair dans la Bible. Alors, il y a une note d'espoir, heureusement, au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. C'est beau, non? Il leur dit, écoutez, changez et revenez. Revenez. Acheter de l'or de moi. Donc il parle bien sûr, maintenant, il spiritualise un petit peu le truc, d'accord? Oups, excusez-moi. Donc il devait acheter ces choses, de l'or, vêtements, collyres. Ensuite il leur dit, changez au verset 19. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Alors déjà il leur dit, écoutez, quand j'aime quelqu'un, je les reprends. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit « repens-toi avec zèle ». Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un « écoute, tu es dans le péché, repens-toi avec zèle ». J'ai jamais dit ça à quelqu'un, c'est ce qu'il dit ici. « Repens-toi, pas juste repens-toi, avec zèle, à fond ». Alors verset 20, on l'utilise souvent pour l'évangélisation, le contexte n'est pas du tout ça. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi ». Vous savez ce qu'il est en train de dire? Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation, en fait, ces versets. Il est en train de dire, écoutez, Église, vous m'avez chassé de votre Église. Je suis à la porte, j'en suis frappé. Est-ce que quelqu'un voudrait, s'il vous plaît, m'ouvrir la porte puisque je puisse re-rentrer dans votre Église? C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de parler à l'Église et supplier à l'Église de les réinviter à rentrer dans l'Église et être leur Seigneur. Et il les promet bénédiction, verset 21. Elle leur demande d'écouter et de faire ce qui est juste au verset 22. Alors, la conclusion. La Odyssée était une église inutile pour deux raisons, tiédeur et autosuffisance. Leçon. C'est quoi la leçon? Rejette la tiédeur. Juste avant de venir, j'ai une deuxième idée. Peut-être ce serait une meilleure application. Laisse Jésus revenir dans ton église. Alors voilà, mes amis, résumons-le toutes, les sept églises. Quelles sont les leçons? Numéro un, ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Si on devait résumer toutes les leçons, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on apprend sur ces sept églises? Numéro un, ne laisse pas ton premier amour s'éteindre. Numéro deux, ne sois pas découragé par la persécution. Numéro trois, ne laisse pas le monde entrer dans l'église. Numéro quatre, ose confronter le péché dans l'église. Numéro cinq, ne délaisse pas la parole de Dieu. Numéro six, reste fidèle à la parole de Dieu. Et numéro sept, rejette la tiédeur. Alors ce matin, avant de venir, je me suis dit, tant, j'ai envie de résumer encore plus. Alors, je pense, j'ai envie de le conclure comme ceci. Qu'est-ce qui est le centre? Qu'est-ce que Dieu veut d'une église? Qu'est-ce qu'il veut d'une église? Alors voici, c'est ce que je pense. Oui, ça c'est pas mal aussi. Voilà. Non, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Premièrement, ne laisse pas ton premier amour s'éteindre veut dire aime Jésus. Pas les ministères, pas même l'église. Est-ce que Jésus, c'est notre premier amour? Deux, annonce la parole.
Dans deux églises, l'application est liée à la parole de Dieu. Est-ce que nous aimons avant toute autre chose Jésus et ensuite sa parole? 3. Rejette le péché. Dans deux églises, c'est ce qu'il leur dit de faire, rejeter le péché. Donc, nous devons aimer Jésus, aimer la parole et oser rejeter le péché. 4. Sois bouillant. Sois bouillant, pas tiède. Soyons zélés et à fond pour le Seigneur. Et dernièrement, accepte la persécution, parce que je vous garantis, mes amis, si nous, en tant qu'Église, on décide d'aimer Jésus, d'annoncer la parole, de rejeter le péché et d'être bouillant, on va être persécuté et ça va faire mal. Et je pense que ça représente l'Église que Jésus-Christ veut pour nous. Amen. Seigneur, voilà, Seigneur, on vient, on se sent tout petit, on se sent tellement imparfait, Seigneur, mais en même temps, ta parole semble être si claire. Seigneur, merci pour cette précision, merci pour cette église, Seigneur, merci, oui, ben, merci dans le sens qu'on apprend de leurs erreurs, et Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs, et nous en commettons beaucoup, Seigneur. Mais voilà, aujourd'hui, nous voulons nous recentrer sur l'essentiel. Et je te prie que ça commence pas que pour l'EIG, Seigneur, mais pour chacun et chacune de nous, individuellement. Seigneur, que nous puissions oser faire le bilan et que ces choses soient vraies de nous, individuellement. Seigneur, merci, à toi la gloire, au nom de Jésus.